Excellent. C'est un club ultra dynamique, une assemblée générale ce soir avec une salle comble, avec des gens de tout âge. C'est un club qui s'investit à la fois dans la transmission des échecs dans tous les milieux, mais aussi qui pousse les enfants dans leur maximum, et ça c'est important je crois. On sait ce que les échecs sont capables d'apporter, et ici on va encore plus loin. On fait de l'inclusion sociale, on fait de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, on prône l'égalité entre les femmes et les hommes. Bref, on a trouvé à travers les échecs un levier de cohésion sociale et je trouve ça magnifique. Ce soir, vous avez été récompensé par un magnifique jeu d'échecs. Vous jouiez déjà ? Absolument pas. Je ne sais pas du tout jouer aux échecs et j'ai discuté évidemment avec le vice-président et le directeur du club et donc je me suis engagée à devenir aussi une des ambassadrices des échecs parce que on a aussi envie de porter avec ce superbe club la féminisation des échecs. Je pense que c'est important et donc si je peux donner un coup de main, je le ferai volontiers, notamment en apprenant à jouer.